De Thoranglières via Usillon, on prend la route du plateau des Glières et on arrive au petit parking de Pont-de-Pierre. Ils sont en train de réhabiliter l'usine de traitement de l'eau. On va prendre le chemin du Pas du Roc qui est juste un petit peu plus bas, à 2-3 minutes, pas plus. Voilà un panneau qui nous rappelle que les Glières ont été un site important pendant la guerre. À certaines périodes, il y a une cascade juste au-dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est à sec. Et on va monter juste au-dessus de la cascade par le Pas du Roc. C'est très joli. Le sentier part carrément au bord de la route. Petit hommage au forestier qui a organisé le maquis de champs laitiers où on va passer là-haut. Après un superbe sentier dans la forêt, on débouche sur le Pas du Roc, dont on aperçoit déjà le petit tunnel. C'est extraordinaire. On devine la paroi juste au-dessus, juste en dessous. Alors ceux qui ont peur du vide, je pense qu'ils vont rester bien à gauche du chemin, bien accrochés aux chênes. Il est superbe ce passage. On passe dessous, c'est fabuleux. C'est très raide, c'est un sacré effort physique et c'est pas fini. En dessous, attention, hein. C'est tout simplement magique ce passage. Voilà, on arrive vers le passage au-dessus de la cascade. Alors pas d'eau en ce moment. Et une jolie passerelle. Après la passerelle, petit passage boisé. Juste au-dessus, deuxième passerelle. C'est reparti. On arrive sur un petit point de vue, c'est très joli aussi ici. On a un genre de gros bonsaï là qui s'est installé dans la rocaille. Et le sentier lui repart vers le haut. En sous-bois. Alors je conseille à tout le monde, hein, faut pas avoir peur du vide, mais c'est magnifique.
Cette fois, on est au-dessus du Pas du Roc, hein, bien sûr. Et on a encore un joli petit tunnel, là, c'est sympathique. Après une petite traversée dans les bois, on arrive à Champs-Laitiers. Avec en face Roche-Parnal, où on va se diriger. Et au-dessus, sur la gauche, Soudine. Magnifique alpage. Un sentier se dirige vers les Glières. Et là, il faut continuer tout droit pour l'instant. Me voici tout seul dans l'immensité de cet alpage. Aujourd'hui, l'alpage est assez sec, hein, mais quand il a vraiment plu, c'est pas très agréable. Alors il faut mieux y aller quand il fait beau et quand il n'a pas plu. On arrive au chalet du Plan et on continue tout droit. Un peu au-dessus du chalet, on arrive vers les ruines du chalet forestier. Et là, ben, on prend à droite. Direction Col du Freux. Si comme moi, vous vous ennuyez sur l'interminable chemin d'alpage, un conseil, faites-le à fond. Heureusement, le paysage est très intéressant. Wouah, on est bien récompensé quand on arrive en haut, hein, avec une vue splendide sur toute la chaîne du Bargy, là. Le Jalouvre, la Pointe Blanche, la Pointe de Balafras, la Pointe du Midi et le Bargy tout au fond. Superbe. Me voici arrivé au col de Les-Bas. Ici, c'est la montagne des Frettes. Là-bas, ben, la chaîne du Bargy, évidemment. Là, c'est les Tempes. Roche-Parnal. Entre les deux, il y a le col du Freux. Au pied de Roche-Parnal, il y a le col du Câble. Ensuite, il y a le Pas de la Truie. On arrive à Soudine. Voici le passage par lequel on grimpe à Soudine. Et après, on tombe sur le Mont Blanc. C'est magique. Splendide la vue d'ici. Voilà. Tiens, il y a du monde sur le sentier. Voilà la grimpette de Roche-Parnal. C'est raide. Puis c'est toute la chaîne des Aravis qui apparaît.
la pointe percée évidemment. Et en bas, les chalets de Tine ou de Tinaz, comme on veut. Et ça continue à grimper. C'est très raide, Roche-Parnal, là. En traversant tout le versant côté frette, j'ai rejoint le sentier qui vient du col du Freux. Et là, en dessous, ben, y a de la compagnie. Mes amis boubouques sont dans le coin. Bien tranquille. Énorme celui-là. Il y en a qui se cachent même. Là-bas, il y en a un qui roupille du sommeil du juste. Tranquille. Sacré beau mal. Alors lui, il m'impressionne. Hein. Petite bagarre en bas, c'est rigolo. Ils s'amusent les petits là. Qui a envie de s'amuser aussi, on dirait. Bon, je suis à moins de 3 mètres. Ils se méfient quand même un peu. Ils sont magnifiques. Hein. Alors lui, ben, je sens que je vais le déranger. Je vais essayer de passer au-dessus pour voir. En bas, ça s'amuse toujours. Paf! Personne ne veut lâcher. Alors mon copain là, il reste placide. T'es chouette toi. Ah ben je l'ai un peu dérangé. Me voici à 5 mètres de cet énorme individu qui mâchouille tranquillement pendant que les gamins en bas s'esbrouent. Faut que ça joue à cet âge-là.
Ah ah, ça se cherche la bagarre là-bas. Double bagarre. Oh ben non, renifle pas ça, toi. Ah là là, je te dis. Le vieux mâle me surveille d'un coin de l'œil. Bon ben les amis, je vais vous laisser jouer. Je serais bien resté un petit moment de plus avant avec vous, mais je vais peut-être grimper vers le sommet. Eh bien les ptius sont un tout petit peu plus haut. De vrais petits équilibristes. Me voici au sommet, alors il est déjà tard, il est 16h. Je voulais monter à Soudine, mais bon, ça va être un peu tard pour rentrer avant la nuit qui descend, qui arrive vite maintenant. En dessous, on voit les chalets de Balm. Là, c'est sur coup, c'est joli à faire aussi. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, ben, Genève, le Léman, tout est dans la brume. Là, la première montagne, c'est le Salève. Et derrière, ben, c'est le Jura, évidemment. C'est très beau, ce paysage.
Je vais redescendre direct vers le col du câble, comme j'avais fait la dernière fois que je suis passé là. Me revoilà au col du câble. Et le sentier direct, donc celui que j'ai pris à la descente, part pile du sommet du col. Pour éviter les gros chemins d'alpage, enfin une partie en tout cas, je vais me diriger vers Soudine. Il y a un petit chemin balisé en rouge. Et après, je descendrai direct. Il est sympa ce petit sentier qui monte à travers les lapias et la forêt. C'est mieux que les gros chemins d'alpage. Alors là, je crois que je suis au niveau du pas de la truie qui permet de redescendre vers les chalets de Balm. On arrive dans l'alpage. Et si on poursuit le sentier, ben on va se retrouver sous les barres de Soudine. Et on va rejoindre le pied du passage qui permet d'accéder au sommet. Quant à moi, ben je vais redescendre en direct. Je passe à nouveau devant le chalet de Grand Soquet. Et un peu plus loin là-bas, c'est le chalet de l'ONF. Petite envie de découverte, je vais essayer d'aller faire un tour au fond de l'alpage. Un petit bosquet, il devait y avoir une ancienne ferme ici. Alors c'est compliqué hein, ici. C'est plein de zones humides qu'on reconnaît donc à la hauteur des herbes et à leur couleur. Et qu'il faut savamment éviter. Eh bien, je navigue sur une vaste tourbière en fait. C'est très mou quand on marche. Par endroits, c'est limite marécageux. Parfois, c'est des grandes herbes, alors c'est pire. Il y a même de l'eau qui coule et tout. Donc aujourd'hui, c'est à peu près sec, mais s'il a bien plu, je conseille pas. Par ici, c'est plus sec. Et qu'est-ce qu'il y a au beau milieu de l'alpage? Un poteau indicateur. Donc là, ben, je continue tout droit, direction Pont de Pierre, par le Pas du Roc. À un moment, le lit de la rivière disparaît et j'avais pas vu en montant, mais juste en dessous du petit tunnel, on peut descendre en petit sentier et il doit y avoir, parce que là on voit pas l'eau, il y en a pas, mais il doit y avoir une résurgence qui doit couler. Et il y a un énorme abri sous roche. À la descente, c'est plus glissant et plus impressionnant, donc faut faire attention quand même. Donc si on veut descendre un peu plus vite, eh ben, faut se tenir au câble et puis tenir les deux bâtons de l'autre côté. Alors là, aujourd'hui, c'est encore plus impressionnant, c'est en plein dans la brume maintenant.